Et puis c'est parti, bon, tu le mets que tu as dans les jarrets. Eh, mais je reconnais des copines. Mais je reconnais. Mais je reconnais. Elle fait une ville avec toi. Je suis un motoriste. Dernière fois, ma moto en moto, j'ai dit au moins 20 ans, je sens encore les vibrations de la moto entre les gens. Et il va me voir, oui, excusez-moi. Donc c'est pas moi qui c'est pas moi qui dirige. Même s'il pleut, c'est vélo tout terrain, vélo tout temps. À tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue à la rencontre formative 2022. Alors, nous vous avons concocté, comme vous savez, deux parcours. Donc, vous avez déjà fait votre choix, petit et grand parcours. Alors, en fait, il fallait qu'on attende que l'ambulance soit arrivée pour partir. Maintenant que l'ambulance est là, donc on va pouvoir partir tranquillement. Alors, donc on a dit deux parcours. Il y aura une partie commune, donc tout le monde part ensemble. Et la séparation va se faire au niveau de l'école de Pointe-Lèche. Donc, jusqu'à l'école de Pointe-Lèche, nous roulons en peloton groupé. Donc, vous avez des signaleurs, des hommes et des femmes à la sécurité. Donc, ils ont des gilets jaunes. Alors, ils sont au moins 20. Donc, ils seront là pour encadrer la manifestation. Alors, c'est une randonnée. Donc, on part ensemble. Ensemble. Il y aura des regroupements au niveau de certains. Il y aura plusieurs regroupements sur le parcours. Donc, on attend toujours que la dernière personne soit arrivée avant de redémarrer. De toute façon, au niveau des signaleurs vont gérer les regroupements. Alors, je vous demande de faire attention sur certaines portions, surtout qu'il a plu. Donc, ce qui était sec hier. On n'est peut-être pas mouillé, mais un petit peu plus glissant aujourd'hui. Bon, le but du jeu est que tout le monde revienne en pleine forme et satisfait du parcours qui a été effectué. Alors, après la randonnée, donc nous allons revenir ici. Il vous sera servi une collation au niveau du village. Il vous sera servi une collation au niveau du village. Et il y aura un tirage au sort avec les bulletins de description pour vous offrir des cadeaux qui nous ont été offerts par les partenaires. Donc je vous demande de ne pas partir tout de suite. Si vous n'êtes pas là, le cadeau sera offert à quelqu'un d'autre. Okay? Est-ce que vous avez des questions rapidement? Non, pas de questions? Donc nous aurons. Ravitaillement quoi? C'est pas une question, ravitaillement. Il y aura deux ravitaillements sur le grand parcours, un au Galion et un au Réopou. Et sur le petit parcours, le ravitaillement sera au.